Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Suite à pas mal de vidéos sur YouTube qui critiquent ce qu'on appelle la croyance dans les reliques des saints pratiquées dans l'Église catholique mais aussi chez les différentes branches orthodoxes, j'ai décidé d'y répondre à travers cette vidéo. Écoutez cet extrait de vidéo de la chaîne YouTube Jésus-Christ TV, vous comprendrez de quoi je parle et à quelles critiques je veux répondre. Mon frère, ma sœur, toi catholique, homme catholique, femme catholique, enfant catholique, vieillard catholique, écoute. Dans quel verset de la Bible tu as vu cela, cette image qui est devant ton téléviseur? Dans quel verset de la Bible tu as vu comment on voue des cultes aux morts? C'est une abomination. Dieu a horreur les cultes des morts. Donc toi qui es encore dans cette religion, voilà une autorité dans l'église. Voilà une autorité qui est en train de brandir le crâne d'un pape dans un rituel. Le culte aux morts. Ça, c'est de la sorcellerie. Et ce n'est pas différent des cultes païens. Vous voyez, le paganisme qui a infiltré l'église aujourd'hui, les gens pensent que c'est Dieu. Vous voyez? Et si quelqu'un pense que la voie du catholicisme, c'est la voie de la vérité, qu'il regarde ces images, qu'il les examine, et lui-même sera convaincu que sa conscience lui dise, après avoir suivi ces choses, si ce sont les choses qui sont saintes. Beaucoup de personnes, dont l'auteur de cette chaîne, croient sans doute par ignorance que conserver ou honorer ces reliques serait de l'idolâtrie. Mais c'est faux car l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une image ou un objet à la place de Dieu. Or, dans la croyance catholique, il est enseigné dès l'enfance de n'adorer que Dieu seul, comme l'indique le credo, la profession de foi catholique qui dit « Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Les reliques, du latin reliquiae, qui veut dire reste, sont comme son étymologie l'indique, les restes matériels qu'aurait laissé derrière elle une personne sacrée, soit des parties de son corps, soit d'autres objets, qu'il aurait sanctifié par son contact. Faut savoir que l'Église catholique n'a pas le monopole de cette pratique, puisque les reliques chez les églises orthodoxes existent et leur dévotion pour ces reliques est supérieure à la nôtre. Par exemple, les orthodoxes patriarcats de Constantinople conserveraient la tête de l'apôtre André, qui serait, selon la tradition, fondateur de leur église. Nous, catholiques, n'avons aucun problème avec cela, bien sûr, mais il ne faut pas l'oublier non plus et toujours taper sur les catholiques. C'est cela qu'on appelle honorer les reliques des saints. Le fait d'honorer les reliques repose sur le possible transfert de la sacralité du corps saint sur le dévot. Leur émiettement multiplie leurs bienfaits, puisque chaque parcelle conserve la charge sacrale primitive. Nous honorons ces reliques et croyons au fait que Dieu accomplirait des miracles à travers ces reliques de saints. Pourquoi ? Pour comprendre, un retour dans l'histoire primitive s'impose. Depuis Jésus et ses apôtres, la vie du christianisme, son histoire a été remplie de miracles de toutes sortes. Oui, nous croyons au côté miraculeux de ces reliques, car aussi incroyable que cela puisse paraître, nous lisons dans les textes de l'Évangile que des miracles ont eu lieu au contact du vêtement de Jésus, du mouchoir de l'apôtre Paul, de l'ombre de l'apôtre Pierre et même au contact d'ossements d'Élisée dans la Bible hébraïque. Dans Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 22, on voit qu'une femme ayant touché le vêtement de Jésus fut guérie d'une hémorragie. Ensuite, nous lisons aussi dans l'Écriture que les restes du prophète Élisée étaient si puissants, sanctifiés par son contact, qu'ils ramenèrent un homme à la vie. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 21, il est dit « On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ses troupes et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. » Ces gens de l'époque étaient-ils des idolâtres ou pratiquaient-ils de la sorcellerie? Loin de là. Autre exemple dans ce passage, nous lisons que des miracles se produisent au contact des linges et des mouchoirs de l'apôtre Paul. En Actes chapitre 19, versets 11 à 12, nous lisons « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul au point qu'on appliquait sur des malades des linges et des mouchoirs
qui avait touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Le fait qu'on croit au côté sacré des reliques de l'apôtre Paul en appliquant sur les malades des linges et des mouchoirs qu'il avait touchés, ce n'était pas de l'idolâtrie. C'est Dieu qui permettait ces miracles tout simplement. On voit une chose similaire avec l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 9. Saint Pierre a ressuscité un mort. Dans Actes chapitre 5 verset 15, on lit aussi que l'ombre de l'apôtre Pierre était considérée comme efficace pour soigner et guérir miraculeusement. Tout au long de l'histoire, notre Créateur a montré sa gloire en accomplissant des miracles par l'intermédiaire des objets appartenant à des saints hommes et femmes qui l'ont servi honorablement, car certains sont morts en défendant leur foi. Écoutez ces quelques exemples dans ce reportage. Voici un fragment d'os de Sainte Jeanne Jugand, une sœur qui a consacré sa vie aux pauvres et aux vieillards. Voici un fragment du corps de Saint Jean-Gabriel Perboar, un missionnaire français exécuté par les Chinois en 1840. Il a été torturé, attaché à une croix, puis tué par strangulation. Dans cette pièce sont conservées les reliques de 1400 saints. Nombre de martyrs chrétiens morts dans d'horribles conditions à cause de leur foi. Les reliques des saints sont extrêmement importantes. Ce n'est pas une idée comme ça, c'est la réalité. Une relique donne une présence à ce qui n'est plus. Elle rend tangible la présence d'une personne morte il y a peut-être 3 ou 4 siècles. Ces reliques sont les signes d'une histoire vivante. C'est une abomination. Dieu a horreur les cultes des morts. Ça, c'est de la sorcellerie. Et ce n'est c'est pas différent des cultes païens. Croire au Créateur, c'est l'histoire de Dieu lui-même et la manière dont il nous a montré sa gloire que certains critiquent dans des vidéos sur YouTube. Croyez-moi, mes frères et sœurs, si l'Église catholique avait en sa possession, au jour d'aujourd'hui, le manteau du Seigneur Jésus, les linges et les mouchoirs de l'apôtre Paul ou les ossements d'Élisée, elle les aurait gardés précieusement, car nous croyons que par la gloire de Dieu, le simple fait de les toucher suffirait à provoquer des miracles, comme le démontrent les saintes Écritures. On comprend aisément pourquoi le linceul de Turin soit autant vénéré. Il est vrai que les restes des saints, comme certains ossements, sont les reliques les plus couramment utilisées par les catholiques et les orthodoxes. Loin d'être des idolâtres ou des superstitieux, on constate que les reliques catholiques sont enracinées dans l'enseignement biblique. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les corps des saints, dit saint Grégoire de Nazianze, ont le même pouvoir que les âmes saintes, soit qu'ils soient touchés par les mains, soit qu'ils soient honorés. Pour ce qui concerne la frange de la robe de notre Seigneur, et les mouchoirs et ceintures qui avaient touché le corps de saint Paul et par lesquels Dieu a fait beaucoup de miracles, une pieuse tradition est demeurée entre les fidèles que lorsqu'ils ne pouvaient toucher les corps des saints cachés dans les sépulcres, ils touchaient leurs sépulcres de leurs mouchoirs ou de quelques voiles qu'ils appelaient brandéas, de la vertu desquelles saint Grégoire et saint Grégoire de Tours font une ample mention.